Merci à toi d'y venir. Elle bouge, c'est ce qui fait avancer le bateau. Alors déjà, je vous présente notre bateau. Notre bateau, il s'appelle... Tous les bateaux ont des noms. Par exemple, votre maison ou votre voiture, vous ne lui donnez pas spécialement de nom. Mais un bateau, c'est comme un enfant. C'est comme quelqu'un de notre famille, on lui donne toujours un nom. C'est comme ça. D'ailleurs, c'est une véritable maison flottante. Vous allez voir, il y a une cuisine, plusieurs salles de bain, des chambres. Alors c'est petit, mais c'est comme une maison qui flotte. Toi, ça devait être un peu pareil, ton camping-car. Il y avait aussi une petite cuisine. Et oui, c'est ça, c'est une maison qui roule. Et là, c'est une maison qui flotte. Oui, Stéphane. Mais comme c'est à plat et tout petit, bah, comment tu peux être dedans? Parce qu'en fait, t'as toute une partie qui est sous l'eau du bateau. Donc en fait, c'est quand même profond. Donc quand t'es sur le bateau, t'es sur le bateau, mais après tu descends des escaliers pour aller dedans, et là tu te tiens debout, et voilà, c'est pas très haut, mais tu te tiens debout, et c'est comme dans une maison. Et la grand voile, c'est très 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 lourd. Pour la lever, on doit la hisser tout en haut du mât, c'est très très lourd. Et comme on peut pas le faire juste avec la force d'un homme, on utilise exactement ce dont tu parlais, les winches. Oui, ah oui, exactement, c'est le même mouvement que quand on veut essorer la salade, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, c'est pareil. Parfois, sur les tropiques, il y a des énormes averses, on récupère l'eau de pluie, pour qu'il y ait de l'eau douce, pour ensuite se laver. C'est Alex ici. Oui, c'est Alex. C'est très solide, mais que c'est aussi facile à défaire. Non, jamais. J'ai vu un requin qui était très curieux, qui allait tout près comme ça, me regarder, et il est reparti tout tranquillement. Ils sont rarement agressifs comme on l'imagine. Sur les 529 espèces de requins, il y a 5 espèces de requins qui sont vraiment dangereuses pour l'homme, où il faut faire attention. Là, là? Oui. Alors c'est quoi ça à ton avis? C'est ses yeux. C'est des trous, là ils sont fermés parce qu'elle est sous l'eau. Et il souffre quand elle est à la surface. Tu crois que ça sert à quoi? À boire. À boire? Non. À quoi? À jeter de l'eau. Alors ça recrache un peu d'eau, mais surtout ça sert à quoi? Pourquoi elle va à la surface, la baleine? À faire pipi. Non. Ça sert à respirer. Mais bien sûr, ça sert à respirer. Un gros mâle, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ça veut dire qu'il est vénère. Exactement. Ça veut dire qu'il est vénère. Il fait des bulles et du coup, là, il n'est pas content. Et là, il nous dit, traînez pas trop dans l'eau. Moi, je ne suis pas trop content. Hein, il faut savoir aussi interpréter les animaux, ce qu'ils essayent de nous dire. Donc là, on sort de l'eau dans ces cas-là. Alors là, j'ai une histoire à raconter. Un jour, il y a une baleine qui était tellement énervée de tous ses bateaux qu'elle a donné des énormes coups de caudale comme ça. Caudale, c'est sa queue arrière. Dans l'eau, plaf, plaf, comme ça. Ça voulait dire vraiment qu'elle était en colère. Sauf qu'il y a quelqu'un qui a dit oh, regardez, regardez, elle nous fait coucou. Et ça, c'est typiquement l'exemple du fait qu'on interprète mal ce que nous disent les animaux. Il faut bien les connaître pour aller à leur rencontre. Parce qu'on peut croire qu'elle fait coucou avec sa queue, mais pas du tout. Là, elle est en train de dire j'en ai marre, laissez-moi tranquille. Des fois, les baleines, ils font ça pour donner un signal aux autres baleines, pour eux, ils aident. S'il y a quelque chose qui ne va pas, ou exactement. Il y a un orque qui veut manger une petite baleine. Oui, tout à fait. C'est aussi une manière de communiquer. Les baleines, elles tapent soit vers la caudale, soit avec leur grande pectorale. Et c'est une manière aussi de communiquer entre elles. Tu as tout à fait raison. Tu vas sous l'eau et après, en fait, bah, tu bouges ton nez pour aller sous l'eau et voir les
animaux sous l'eau, mais t'as pas de bouteille derrière ton dos. Oui ou non? Mais c'est magique. C'est magique? C'est ça que tu dis? Bah, ça peut paraître magique, mais c'est une technique de nage. Et c'est un sport, voilà, ça peut paraître magique parce que c'est nouveau pour vous, mais en fait c'est juste une technique qui imite la nage des dauphins. Et la saison des pluies, c'est aussi surtout la saison des cyclones. La mer est trop chaude, et quand l'eau est très très chaude, par exemple quand vous faites bouillir de l'eau dans une casserole, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la bulle. Oui, ça s'évapore, ça fait de la fumée. Et après ça... Et ça fait plein de nuages. Comme la Terre elle tourne, et ben l'air il se déplace pas tout droit, l'air il se déplace toujours en tournant. Tous ces nuages, ils vont rentrer dans un tourbillon. Alors c'est quoi la différence entre un ouragan et un cyclone? Ben en fait il n'y en a pas, c'est exactement pareil, c'est le même phénomène. Donc dans les Caraïbes on dit plutôt ouragan, ici dans l'océan Indien on dit plutôt cyclone, et dans le Pacifique on dit plutôt typhon. L'année dernière il y a eu des ouragans très forts, très puissants. Non seulement il y en a de plus en plus, mais ils sont de plus en plus puissants. Est-ce que vous savez pourquoi? Mais c'est écrit ouragan. Ah, mer. Eh bien, la mer est de plus en plus chaude. Et pourquoi la mer est de plus en plus chaude? Est-ce que vous savez? Vous avez tous entendu parler du réchauffement climatique? Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Toute l'activité humaine, c'est nous, notre façon de vivre pour nous chauffer, pour nous nourrir, qui produit ces gaz. Au lieu que la chaleur reparte dans l'espace, eh ben, elle est bloquée grâce à cette couche. Donc ces gaz ils permettent de tenir la Terre bien chaude. S'il n'y avait pas cette couche de gaz, la Terre elle serait à moins 18 degrés. Sauf que on produit trop de gaz, ce qui fait que la chaleur est encore plus retenue autour de la Terre. Ça attaque ce qui est un squelette calcaire, comme le corail ou comme les petits mollusques comme les moules, les coquillages, et ben tous ces petits animaux ils n'arrivent plus à créer un squelette solide parce qu'il y a l'acide qui attaque leurs coquilles. Et du coup il y en a de moins en moins. Les poissons qui mangent le corail, qui mangent les petits coquillages, et ben ils ont de moins en moins à manger, du coup il y a de moins en moins de poissons. Donc ça a aussi des conséquences sur l'océan, ce réchauffement climatique. Le krill, et ben c'est ça, c'est ces tout petits crustacés. Ils sont très importants parce que c'est grâce à ça que vivent les baleines, les manchots, les ours polaires, les phoques, certains oiseaux. Tous ces animaux ils se nourrissent de ce krill. Et ce krill, en fait, pour vivre, il a absolument besoin de la glace parce que dans la glace, il y a le phytoplancton dont il se nourrit. Et surtout, il se cache sous la glace pour mieux pouvoir se reproduire. Mais s'il n'y a plus de glace, et ben tout le monde va les manger et ils ne pourront plus se reproduire. Et s'il n'y a plus de krill, et ben les baleines elles vont mourir de faim, les manchots aussi, les phoques, etc. Et tous ces animaux vont être amenés à disparaître. Donc on parle beaucoup de l'ours polaire, mais il y a aussi cet animal-là, c'est très très grave. Le réchauffement climatique, il est très menacé à cause de ça. Tout le monde peut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et ben c'est très très simple. Il faut essayer de vivre en utilisant le moins possible ces gaz. La première cause de l'émission de ces gaz, c'est le fait de manger de la viande. Alors pourquoi? Ensuite, ils pètent. Alors, il faut réduire sa consommation. Ce qui est important, c'est d'essayer d'en manger moins. Parce que juste si on en mange deux fois moins, c'est-à-dire qu'au lieu d'en manger lundi, mardi, mercredi, jeudi, j'en mange juste lundi et mercredi, mais déjà, ça aura un impact énorme. Là, je vois qu'ils proposent des repas végétariens dans votre cantine. J'ai vu à Moi, je mange végétarien. Et ben voilà, il y a de plus en plus de gens, à cause de ce que je vous ai dit, qui décident de plus manger de viande. Voilà, soit on décide de plus manger de viande, soit on essaye d'en manger moins. C'est vraiment ça qui est important.
ventre tout blanc, d'accord, mais ils sont quand même bruns ici. C'est un adulte. Alors que, oui, lui, c'est un adulte, alors que lui, c'est ce qu'on appelle un juvénile. Vous avez déjà entendu parler des juvéniles? Pour les animaux, on ne dit pas des enfants, on dit des juvéniles. On peut les voir sous l'eau, ils viennent nous voir sous l'eau, ils plongent, et ils mettent la tête sous l'eau, ils sont très curieux, ils nous regardent comme ça. On peut les caresser? Non, et puis il faut éviter de toucher les animaux, mais je crois pas qu'ils se laisseraient caresser de toute façon. C'est un coquillage qui est le symbole des Caraïbes, c'est la monnaie caraïbe. Non, mais c'est en dessous? Eh bien, ça, tout en dessous, c'est un autre animal, et lui, qui s'appelle une gorgone. Ça ressemble beaucoup à une plante. Un papillon. Et cette monnaie des Caraïbes, elle mange la gorgone. Vous avez vu tout le blanc là? Mais comment il fait? Eh bien, il a une petite langue qui râpe comme ça. Et mange comme mais ça. C'est bizarre. La légende, elle dit que les petits mangent jamais les gros. Après, cette gorgone, c'est des milliers d'animaux tout petits en fait. Il est trop mignon. Vous voyez, c'est un énorme coquillage. À l'intérieur, son corps est tout mou, c'est pour ça qu'il fait partie des mollusques. On voit ses yeux, on voit ses petits cils vibratifs, ça s'appelle un strombe géant. Ce coquillage, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Il est tellement beau qu'on le tue. Et toutes ces coquilles, bah, on les vend aux touristes parce qu'on a envie d'avoir un beau coquillage dans son salon. Non, alors, ça c'est un rocher. Et ça c'est un poisson. Mais ce poisson, il se déguise en rocher pour pas qu'on le voit. On peut s'approcher très près. Il ne bougera pas et puis il pense qu'on le prend pour un rocher. Là aussi, il y a un poisson. Oui, je sais où il est. Vas-y, viens nous montrer, Béatrice. Voilà, là, c'est son œil. Alors, le poisson, il est tout là, il est tout plat. Il a la même couleur que le sable. Tout ça, c'est des stratégies que les poissons utilisent pour pas qu'on se fasse manger. Do 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 do